Delighted to have you again at the Director's Fortnight 15 years after All Is Forgiven. This film deals with a double phenomenon, the disappearance, the erasing of a man, and the reappearance of another person in someone's life. Can you tell us about the starting point of this narrative? Je dirais qu'il y a peut-être deux choses. D'une part, l'observation que j'ai faite à certains moments de ma vie, de vivre des choses très opposées au même moment et de m'interroger sur la façon dont ces choses, c'est ici peut-être une forme de deuil étrange et une renaissance à travers un amour, la façon dont ces choses peuvent concomitantes et se répondre, le dialogue secret qu'elles peuvent entretenir. Donc ça c'était, je crois, un des départs du film. Et puis l'autre chose, c'était l'expérience de la maladie et le désir d'en faire quelque chose. Well, it came from my own observation in life of sometimes opposite things happening at the same time in one's own life. Like a strange morning and at the same time a rebirth. Those things, and I was always curious to see how those things echo each other and enter in resonance. And also I wanted, since it was also a way to express, to do something with the experience of illness that I lived through. To have actors to embody those characters. How did you cast your actors? En fait, j'ai vraiment écrit le film en pensant à eux, à Léa, à Nicole, à Pascal, à Melville. Ça m'était arrivé une fois, c'est quand j'ai fait L'Avenir, j'avais écrit L'Avenir en pensant à Isabelle. Je ne savais pas, bien sûr, s'ils accepteraient les rôles, je l'espérais, mais je crois que ça m'a beaucoup aidé à écrire, à trouver la force d'écrire et à me confronter à un sujet qui était quand même très difficile, qui pouvait être très douloureux, mais l'idée du fait que ça pouvait être incarné par des acteurs que j'aimais autant et de penser à ce qu'eux pourraient en faire et où ils pourraient emmener le film, ça m'a accompagné durant l'écriture. Well, I wrote while thinking about all those actors, I had them in mind, and the only other time when I did that was before Things to Come, where I had Isabelle Huppert in mind also. Of course, I wasn't sure they would accept, and I really hoped, but it helped me in the writing process, and it helped me confront myself to those topics with the idea that they would embody those characters. How you felt while reading the script? Je me souviens que Mia m'a proposé le scénario pendant le premier confinement et c'est arrivé pour moi comme une forme de soulagement, de consolation, parce que c'était un moment très étrange de ma vie. Et tout d'un coup, la lecture de ce scénario m'a vraiment touchée, très émue. Et aussi, c'était la première fois qu'on m'offrait la possibilité de jouer une femme normale. C'est-à-dire, quelqu'un où les spectateurs pourraient peut-être s'identifier. Il y a quelque chose il y a une simplicité dans le scénario et à la fois une émotion très vraie. On est tout de suite au cœur des sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc, j'ai tout de suite accepté de faire le film. Enfin, voilà, j'ai lu rapidement le scénario et j'ai tout de suite accepté de jouer ce rôle. Well, I remember that when I read the script was during the first lockdown, and it came as a big relief and a lot of solace for me to read the script. It was a really strange moment, and all of a sudden, to read this, I was really touched and moved. It was the first time also that I had the opportunity to play a normal woman, if you can say that, someone that the audience would relate to immediately. She has this simplicity about her, and also this authentic emotion, and it felt like we were at the heart of feelings. And I accept it right away. So you both play the parents who have opposite characters. The mother is turned towards the future, whereas the father is trying to hold back his memories, to hold on to his memories, which leads also to some humor in the film. So how did you work each
work on your roles and together also. Je ne sais pas s'ils sont vraiment opposés, mais ils sont opposés déjà par leur état. Est-ce qu'il y a de Franca, votre personnage de Françoise, elle essaie de tout tenir à la place où elle est. Elle est quand même pas, elle est quand même dans la galaxie de cet axe central qui est le père et la fille dans le film. Mais elle a le désir de soutenir sa famille, alors que voilà, c'est cette ambiguïté qui sont très belles dans tous les personnages, qu'elle n'a pas été tout le temps comme ça. Et voilà, et là, à un moment donné où elle devient vraiment elle soit quand même confrontée. Il y a eu d'autres failles, mais c'était dans tous les personnages. Et puis j'ai vu le scénario, la toute première scène, quand Pascal ne va pas ouvrir la porte, il y a déjà un ton qui est donné de ce qu'est la vie même, ses faillites, ses échecs, et puis voilà, et les tas de personnages dont vous parlez. Je vais passer la parole à Pascal qui vous dit des choses. Well, yes, my character is trying to hold everything together. She's orbiting around this central cell of the father and the daughter, and she's trying to support the family, and there's some beautiful dualities in those characters, and their flaws also seen. And the first scene, I think, is very telling when she cannot open the door. It really sets the tone of people trying to deal with their shortcomings and failures. C'est à moi. Excusez-moi, mais je suis un peu embarrassé parce que je n'ai pas vu le film. Donc c'est un peu délicat de vous parler de la finition du film. Bon, évidemment, ce n'est pas très intéressant non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que n'ayant pas vu le film, je ne connais pas l'atmosphère du résultat. Hein, donc je verrai ce soir. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, que si je pense dans ma vie d'acteur, c'est la première fois réellement. Et j'ai fait quand même pas mal de films. C'est la première fois réellement où je me suis perdu dans un personnage. J'avais l'impression d'être sur le plateau, réellement ce type-là. Et donc ça, c'est une impression très particulière, très étrange pour un acteur. Et je souhaite d'ailleurs à tous les acteurs et actrices de connaître ces moments-là. Est-ce que c'est évidemment à cause ou à cause en tout cas de la maladie de ce personnage, donc réellement du père de Mia. Et évidemment, Mia était fantastique avec moi parce qu'elle avait tous les arguments pour me montrer, pour m'indiquer, pour me faire parcourir ce personnage. Donc ça a été génial. Ainsi qu'avec Léa et avec Nicole et avec Melville, j'avais moins de scènes non plus, mais avec Léa, ça a été très fort parce que j'ai l'impression que. On créait une famille. C'était vraiment une famille. En tout cas, sur le tournage, c'était vraiment une famille. Et donc, c'est un tournage qui m'a beaucoup bouleversé. J'espère que vous aussi. Well, since I haven't seen the film yet, I will have to see it tonight to maybe appreciate the atmosphere of the result, the finished product. But I can tell you that it was the first time in my actor's life that I really lost myself in a character for good. I felt like it was really him, which was a weird feeling, but at the same time, I really wish that all actors could live through that once in their career. And maybe it's because of the father's illness, which was Mia's father's illness. So Mia was really fantastic, giving me indications, especially in my relationship with Leah's character. And it felt like we were really a family on set. Yes. Can you tell us about the shoot we shot over several periods of time and also your choice of 35mm because you shot almost all your films in 35mm? Oui, sur la période, on a tourné sur une période relativement longue. Je commence à être abonnée après avoir fait un film qui s'est tourné sur deux étés. Tout le monde me dit, mais enfin, maintenant c'est ta façon de tourner. Non, c'est pas vraiment un choix. En fait, il y avait quand même deux saisons, donc il y avait ce choix-là tourné sur deux saisons. Après, il y a eu évidemment le Covid qui continuait, on l'a tous chopé plusieurs fois, donc on s'est arrêté beaucoup de fois, mais je crois qu'on n'a jamais perdu la concentration. Donc c'est un tournage qui a été vraiment, qui a demandé un certain souffle, on peut dire, puisqu'on a commencé
en juin et de l'année dernière, et on est encore en train de tourner des scènes mi-février. Quant au 35, oui, j'ai fait ce choix-là une nouvelle fois. Comme spectatrice, j'ai pas le même regard, je souffre pas quand les films ne sont pas tournés en 35, mais comme cinéaste, je continue d'avoir ce désir-là. C'est une matière en 35 à laquelle mon imaginaire s'identifie, en fait, et je ne suis pas encore parvenue à m'en détacher. Et je crois que pour ce film, j'y tenais d'autant plus que je savais que le film allait se passer dans des décors souvent assez ingrats. Et finalement, il me tenait d'autant plus à cœur d'essayer de trouver un moyen de leur donner une poésie, si on peut dire, ou une sorte de supplément d'âme. Et disons que, à mes yeux, le choix du 35 contribue à cette quête. This was shot over a very long period of time, and some people have been telling me that after shooting a film in two summers, it was my way of doing it, but no, it was not a choice, really. This time I had two seasons, of course, to shoot, but we also had COVID, and so we had to interrupt the shoot a lot of times, but we never lost focus. It was a demanding shoot because we started shooting in June last year and we were still shooting scenes this February. And for the choice of 35mm film, I think as a spectator I do get offended or I don't suffer from films that are not shot in 35mm, because as a filmmaker I feel like it gives that much material to the film, and I just relate to it more in my imaginary. Also, since I knew that I was going to shoot in settings that were not the prettiest places, maybe I thought it would give them more soul. The score is pretty important to the music in the film. There's this recurring theme by Jan Johansson, and also, of course, can you tell us about the Schubert sonata? Oui, en fait, il n'y a pas énormément de musique, mais elle est très marquante, sans doute. Un peu comme toujours, je crois, dans mes films, en tout cas, on l'entend. Et effectivement, il y a surtout deux compositeurs. Jan Johansson, qui est un compositeur suédois que j'ai découvert en regardant un film de Bergman, un film peu connu de Bergman qui s'appelle Le Lien, que j'aime énormément. Il n'avait pas composé ce morceau pour le film. C'est un compositeur assez connu en Suède, mais en tout cas, ce morceau, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et à vrai dire, il m'a hantée, et comme souvent quand je prépare un film, j'étais accompagnée par cette musique au point qu'il a fallu que j'utilise dans le film. Et quant à Schubert, en fait, j'utilise plutôt très peu de musique classique dans le film, enfin, de façon je crois très parcimonieuse, c'est peut-être la deuxième ou troisième fois. Dans l'avenir, et c'est toujours du Schubert, je crois que c'est à voir avec... Enfin, c'est une question de goût, je crois que c'est vraiment un des compositeurs dont dont la musique m'émeut le plus et en plus avec lequel j'ai grandi, et donc ça avait un sens particulier pour moi dans ce film, évidemment. Well, there's not a lot of music in the film, but maybe yes, it's pretty striking when it comes in. Jan Johansson is a famous Swedish composer in Sweden, and I discovered this theme in Bergman's film The Touch. It was not composed specifically for the film, but it's a music that haunted me while I was writing, so I, at some point I had to incorporate it into the film. And for Schubert, I don't usually use a lot of classical music in my films, except for Things to Come, maybe. But it's always Schubert for some reason, maybe it's a matter of taste, because it's the music that moves me the most, and it's music that I grew up with, so it made that much more sense to have it in this film. So thank you for this wonderful film, and Léa, especially, impressed by your performance in this film and in general. Can you tell us, you said that this character has really a normal life. How did you go? What did you draw from your family, your people around you to get inspiration, or from the director herself? Alors, déjà, merci beaucoup. C'est très gentil. Comment je me suis préparée pour ce film? C'est toujours un peu abstrait quand on lit un scénario, quand on n'a pas. J'ai du mal à dessiner immédiatement les contours d'un personnage. Et c'est ensuite, en lisant le scénario plusieurs fois, en,
pendant la préparation, même le choix des costumes, la lecture avec les acteurs, que tout d'un coup se dessine, voilà, peu à peu, c'est comme si tout d'un coup on se transformait, petit à petit on devient ce personnage. Enfin, c'est, en même temps c'est assez miraculeux, parce que c'est comme quand je joue, c'est comme si je devenais en fait le personnage. J'ai une empathie tout d'un coup qui est telle que c'est comme si, enfin, ça m'atteint directement. Et donc c'est exactement ce que j'ai ressenti sur ce film, sur le film de Mia. Et c'était aussi, je l'avais déjà fait auparavant, mais c'était peut-être, je l'avais fait sur Belle Épine il y a très longtemps, un film que j'ai tourné en 2008, je crois. Mais Mia, c'est quand même elle, d'une certaine façon. Je joue son rôle. Et donc ça, c'est toujours aussi quelque chose qui c'est comme une... On a une certaine responsabilité à retranscrire les émotions de quelqu'un qui sont des émotions, enfin, je veux dire, qui sont des émotions qu'elle a traversées. Là, il y avait quelque chose avec Mia où forcément j'ai eu une empathie très forte, je veux dire, pour son histoire personnelle. Et donc, en tant qu'acteur, ce que j'essaye, c'est d'une certaine façon, c'est d'exprimer la pensée du metteur en scène. Et là, c'était sa pensée, mais c'était aussi son vécu. Et donc, je me suis transformée en Mia, tout simplement. Hey, this is Eric from IonCinema.com. If you want to support us, subscribe below. For more reviews, interviews, film festival coverage from Sundance, Cannes, Toronto, you want to check out these guys on this side.